Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de fauchage. Je suis un mois en vacances là où je faisais mes premières vidéos, si vous aurez reconnu à peu près le paysage. Au niveau matériel pour le fauchage et enfin pour tout ce qui sera foin, on sera avec ce deux roues motrices de 60 chevaux, 274S. Et avec la même faucheuse que l'année dernière, la Krone AM203S. Et là, avant de continuer quoi que ce soit, j'ai fauché la parcelle du haut là. Il me reste celle-ci à faucher, celle qui est là. Et j'en ai une juste derrière l'arbre là. Là, je sais pas si vous verrez. Et après, il nous reste aussi quelques parcelles là-bas. Et après, on aura terminé. Sauf qu'avant ça, vous voyez que tout est ouvert. On va changer un couteau puisque si vous regardez bien, là, il y a une petite bande pas fauchée. Une petite bande pas fauchée, c'est parce que j'ai pris un caillou. Et il y a un couteau, regardez celui-là, là. À mon avis, je pense que c'est lui qui doit merder. Il est complètement tordu. Donc, on va desserrer ça. Donc j'ai bloqué avec le tournevis, il n'y a plus qu'à desserrer. Et après, je mettrai un couteau tout neuf. De toute façon, ils sont tous un petit peu usés, mais bon, comme on arrive à la fin, ça ira pour ce qui reste. Voilà. Ça y est, couteau neuf. Vous voyez, couteau neuf. Donc voilà comment était l'ancien. Donc c'est vrai que je pense que ça doit être lui qui devait embêter, sachant que les autres sont quand même usés. Mais bon, comme on a presque terminé, c'est pas la peine de tous les changer maintenant. On fera ça cet hiver, au moment de l'entretien. Donc maintenant c'est parti, on met tout dans la caisse à outils, puis bon, on va continuer. Hop, la caisse à outils qui est là. Donc ça, pour ceux qui se demandent ce masset, il n'est pas à nous, et vous avez totalement raison. C'est un voisin qui nous le prête, puisque notre John Deere a un problème de direction. Et donc il n'y a pas de direction du tout, donc on est obligé de faire comme ça. Voilà, on s'installe confortablement, petite bouteille d'eau, on démarre là.